Un grand match de football mettait ensuite aux prises à Oran les équipes d'Alger et d'Oran. À la suite d'une jolie série de passes, l'ailier droit Di Peri marque le premier but pour Oran. Mais à la mi-temps, les deux équipes sont à égalité, 2 à 2. Finalement, les Oranais, plus rapides sur la balle et meilleurs réalisateurs, enlèvent le match par 4 buts à 2. Devant 15 000 spectateurs assemblés au stade municipal, la sélection de football d'Alger rencontre celle du Maroc. C'est la réhabilitation de leur équipe, rajeunie pour la circonstance, qu'espéraient tous les Algérois qui avaient encore présent la mémoire les derniers exploits du team chérifien. Les Algérois jouent en blanc, mais malgré un jeu plus ordonné que celui des visiteurs, ils n'arrivent pas à imposer franchement leur technique et aucune équipe ne réussit à marquer. Lutte monotone et sans vigueur qui se termine sur un score nul, à la grande déception de tous les supporters algérois. Splendide et en présence d'une grande foule, l'association sportive de Saint-Eugène reçoit le VAC de Casablanca en 16e de finale de la Coupe de l'Afrique du Nord. Les Marocains jouent en maillot clair. Au début, ce sont eux qui dominent et la défense algéroise est souvent alertée. Renvoi du gardien. La balle revient encore. La défense des Noirs se replie. Le gardien algérois bloque toujours. Les Marocains attaquent par de grands coups de pied et le jeu se déplace très rapidement. Troisième minute. Stocky marque pour le VAC. Alger dominera à son tour, marquera un but refusé par l'arbitre, ce qui ne sera pas du goût du public, mais finalement, les Marocains conserveront l'avantage. Et c'est par un but à zéro que le VAC de Casablanca bat l'AS Saint-Eugène. À Alger, la classique confrontation Alger-Maroc obtient son habituel succès. Les Marocains, maillot foncé culotte claire, voient aussitôt leur temps envahi. Mais cette offensive est sans résultat. À leur tour, les Marocains attaquent et la descente des avants prouve que les visiteurs ont pleinement conscience de leurs moyens. Cabrera à la balle. Chargé irrégulièrement par un défenseur algérien, il bénéficie d'un coup franc dont il va tirer magistralement profit pour marquer le premier but. Le 11 algérois se montre à son tour entreprenant et la défense marocaine est à l'ouvrage. Peu après, l'équipe d'Alger réussit l'égalisation grâce à Barmera. 1 à 1. Mais les Marocains font preuve de plus de mordant et le jeune avant-centre Scanella, âme de l'attaque, réussira les deux buts qui donnent une victoire méritée au Maroc. Malgré la saison avancée, une foule nombreuse assiste à la finale de la Coupe de football de l'Afrique du Nord. L'équipe du Racing de Casablanca, maillot à rayures horizontales, rencontre le football club de Blida. Chniette de Blida s'élance à l'assaut des buts adverses. L'ailier droit blidéen tente le shoot, mais un tac de Bouchaïb enlève tout espoir de réussite. Contre-attaque dangereuse de la triplette centrale de Casa. L'ailier Abad, déséquilibré par deux adversaires, ne peut tromper la vigilance du portier Renault. L'attaque de Blida, plus mobile, pratique maintenant le tourbillon et se démarque sans arrêt. Hachemi, soutenant ses avants, donne un tir plongeant très dangereux. Benji Lali, imprudemment avancé, laisse échapper la balle et c'est le but. Les favoris du match, maintenant décontractés, essoufflent leurs adversaires. Et Mesta, déporté sur la gauche, place une balle molle à effet qui surprend Benji Lali une nouvelle fois. Les joueurs de Casa sauveront l'honneur par Abad, mais un troisième but de Blida leur enlèvera tout espoir de gagner. La Coupe, comme celle de France, aime voyager. Elle quitte le Maroc pour une saison, mais Casa, malchanceux, espère une nouvelle perle noire. Attention, Blida. Montréal d'Oran, la grande finale de la Coupe d'Afrique du Nord de football oppose les équipes de Témouchent en maillot foncé et d'Oran. Au cours de cette rencontre parfaitement équilibrée, l'USMO porte à son actif de dangereuses incursions dans le camp de Témouchent.
Le dynamisme de la ligne d'avant s'émerveille et il faut toute l'adresse et l'audace du gardien Vitus pour éviter le pire. La minute cruciale du match se situe en seconde mi-temps sur une contre-attaque de Timoshenko. Une brillante action d'Alba permet à Sabi de marquer le seul but de la partie. Timoshenko, grand vainqueur de cette finale, devient le dépositaire de la Coupe d'Afrique du Nord. Il n'a jamais été disputé dans des conditions plus loyales. S'assurant la pelouse du stade Montréal à Oran, Benabès en blanc contre les professionnels du Galdia d'Alger, la finale de la Coupe d'Afrique du Nord. Sur une descente de Benabès, gros à la balle, il centre sur le page et c'est Ferras qui sauve d'extrême justesse. Contre-attaque par le Galdia, Mercadal descend Pitro, un long centre et c'est un but pour Alger. Sur leur lancée, les Algérois attaquent encore, mais Marion relance vers Gros. Ferdinand dégage. Nouvelle descente du Galia qui se termine par un nouveau but. En deuxième mi-temps, Bellabès attaque par Diaz. Passe à Lepage qui renvoie sur Benyamina qui a suivi. Nouveau centre, la défense du Galia dégage faiblement. La balle se promène dans les 18 mètres, finalement Diaz shoot au-dessus. Bellabès veut gagner à tout prix. Marion lance Lepage qui passe à Diaz. Changement d'aile. Et c'est le but. Lepage est déchaîné. Il lance Aberma à l'aile droite. Un shoot de 20 mètres et c'est le but égalisateur. Finalement, après prolongation, Bellabès bat le Galia d'Alger par 5 buts à 2 et gagne la coupe.